Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur comment changer une biellette d'amortisseur. Voilà, celle-ci. Donc, vous levez votre véhicule, vous mettez une chandelle, vous enlevez vos trous. Ça ne sert à rien d'enlever le cache intérieur moteur, intérieur d'aile, parce que c'est pour une autre vidéo que j'ai faite. Donc, ensuite, voilà. Il faudra enlever cette vis-là et l'autre qui se trouve sur la barre stab. Donc je prépare tout ça, je vous dis ce qu'il faut et on y va. A tout de suite. Bon, donc ce que vous faites, vous mettez d'abord du dégrippant bien sur la vis. Pareil, après vous mettez votre clé Allen dans l'embout. Vous prenez une clé de 17. Moi j'ai une clé de 17 à cliquer. Je l'ai pas mis dans le bon sens, c'est rien de l'autre. Et vous mettez au bout votre clé Allen. Et voilà. Vous le dévissez. Faites pareil en haut. Et ça va être chaud. Essayez comme ça déjà. Et ça fait. Pas bien mis. C'est peut-être mieux comme ça. Non. La vis du haut. Ensuite, celle du vent. Bon, je pense que ça n'a pas tourné. Non, c'est bon, ça ne tourne pas. Avec le dégrippant, ça aide bien. Est-ce que ça ne tourne pas le centre? Bien sûr, maintenant, vous êtes trop bas. Ou trop haut, plutôt. Et vous déclipsez votre biellette. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais chercher la neuve pour la remettre. Voilà. Donc, j'ai été chercher l'autre. Je la déballe. Hop. Vous regardez bien qu'elle fasse la même longueur. Là, c'est le cas. J'essaierai de, si j'y pense, de vous mettre la référence dans la description. En tout cas, pour ce modèle-là, l'1,4 litre HDI, elle est de 2004. Donc, je vous mettrai ça dans la description. Ensuite, vous enlevez les caches qui sont dessus. Là. L'autre. Voilà. Et là, c'est prêt à être remonté. Eh bien, on y va. C'est parti pour le remontage. J'y mets mon gant et c'est parti. Donc, on le remet comme c'était. En haut, déjà, je vais faire prendre le boulon neuf, bien sûr, tant qu'à faire, il est avec. Donc, on le met avec. Là, je serrerai après. Ensuite, l'autre, là, il faut pas hésiter. Vous jouez avec la barre stabilisatrice. Hop. Trop haut. Baissez un petit peu.
C'est pas grave, le reste va se mettre en serrant. Là, voilà. Et vous resserrez tout simplement. J'ai essayé de resserrer sans mettre la clé Allen au milieu. On va bien voir. Là, déjà, ça y va super bien. Ensuite, en haut. Là, en haut, et je resserre encore une fois en bas, et voilà. Donc voilà, ça s'est mis. Donc voilà, donc j'ai pas été obligé de mettre la clé Allen au milieu puisque ça tournait pas. Voilà, c'est pas plus dur que ça. Donc je vous souhaite bon courage et à bientôt. Ciao.